Bonjour les poissons, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 septembre 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner. C'est parti. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte de la paix. On nous parle d'harmonie, d'équilibre, de perfection, de stabilité, de sentiment de bien-être, de conditions favorables et d'expansion. Eh bien, une chouette semaine à l'horizon. Vous allez vous sentir épanoui et en paix. Poursuivons avec le tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière et à la coupe deux rois. Un roi de coupe, un roi de pentacle. Effectivement, c'est très stable, c'est ancré, c'est posé. Une belle confiance en vous, vous vous sentez serein, bien avec vous, bien avec ce que vous aimez. Vous allez pouvoir vraiment retrouver un bel ancrage, une belle stabilité. Vous vous sentez bien dans votre quotidien. Vous pouvez profiter de toutes les petites choses de la vie en faisant attention à tout ce que vous aimez. Vous pouvez profiter. Vous êtes bien ancré dans votre position. C'est paisible, hein? Oui. On est sur le chemin du milieu. On se rééquilibre. Il y a peut-être même un moment de décélération où on se pose un peu là, où on retrouve un équilibre de vie, tout simplement. On est plus près de la nature, plus près de ses besoins. On fait attention à soi, attention à ce qu'on aime. On sort de quelque chose qui a été un petit peu conflictuel, hein. Le 5 d'épée, c'est la fin d'un conflit, alors soit avec vos pensées, soit avec une personne de votre entourage. Bon, on en sort victorieux, mais c'est jamais facile parce que c'est des conflits stériles, ce qui ne mène nulle part, qui demandent de faire des choix, de laisser des choses derrière soi et qui en plus peuvent laisser un petit goût d'amertume. Enfin là, c'en est terminé. Vous retrouvez de l'apaisement, du mieux-être. Eh bien, on a le roi et la reine. Donc, c'est peut-être la fin d'un conflit par rapport à un couple, ou juste le fait de se sentir mieux, de se sentir tout simplement mieux avec soi-même, dans ses façons de faire et ses façons de ressentir. Il y a bien quelque chose qui arrive soudainement, qui vous repositionne sur un autre chemin, pour vraiment pouvoir construire, reconstruire quelque chose sur des meilleures bases. On prend du temps pour soi, hein. On est par deux fois avec de la guérison, là et ici. On réfléchit posément à une situation. Alors, en début de semaine, nous avons le 2 de bâton. Vous avez trouvé votre voie, les amis. Vous êtes à la croisée des chemins. Alors, il y a des choix à faire, peut-être, hein. Alors, choisir, c'est renoncer, renoncer à des choses. Mais là, on voit bien que vous prenez un nouveau départ. En milieu de semaine, on a le 3 d'épée. Donc, on quitte bien quelque chose qui a été compliqué, qui a été difficile, qui vous a meurtri, qui vous a blessé. Alors, ça peut être par rapport à quitter un job, quitter une relation, hein, sentimentale, amicale, contractuelle. Ça peut être aussi le fait d'avoir eu des mots blessants qui vous ont meurtri, qui vous ont blessé. Là, vous faites vos choix, vous partez vraiment sur autre chose. Vous quittez quelque chose pour retrouver plus de paix, plus de sérénité. Et vous savez ce que vous faites, hein. Vous avez trouvé, vous savez exactement où vous allez. Voilà, par rapport à tout ce qui a été blocage au niveau du mental. Alors le 8 d'épée, c'est les blocages qui vous font croire que vous n'êtes pas capable de, que vous n'arriverez pas à. Or, ce n'est vraiment que le mental. Dans le monde concret, il n'existe rien qui puisse vous empêcher d'avancer et de faire ce que vous souhaitez. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on a une belle proposition, un nouveau commencement, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait envie, qui vous fait prendre vraiment une nouvelle direction. Quelque chose qui vous fait vous sentir bien. C'est joyeux, c'est heureux, c'est un nouveau départ. Au niveau financier matériel, nous avons le magicien, arcane majeur. Donc on quitte quelque chose, on en termine avec une situation, et là on vous dit que vous en êtes au début de quelque chose de nouveau, bien sûr, et que vous avez vraiment toutes les cartes en main, tous les outils, autant sur la table que dans vos idées créatrices. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Ne doutez pas de vos compétences, vous pouvez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a la grande prêtresse. Alors là, on parle de faire le point, d'étudier une situation, d'avoir des projets, de ne peut-être pas trop en parler finalement. On est éclairé toutefois, hein. On fait ça dans l'intelligence, on écoute ses ressentis, on peut demander des conseils après des personnes qui sont compétentes, qui ont l'expérience, le savoir, la sagesse. Ça va vous permettre certainement de vous libérer de tout ce qui peut vous bloquer. On vous invite vraiment à écouter plus vos ressentis que le mental. Lâchez prise sur le mental, écoutez plutôt vos intuitions, vos émotions, ce qui vous permettrait de pouvoir lâcher prise
et de ressentir plus de sérénité, de paix, d'apaisement. Allez, on va recouvrir ce 3 d'épée, ce 8 d'épée. Alors, sur le 3 d'épée, eh ben, on part sur un nouveau chemin. Pour certains, on peut avoir de l'information financière qui vous arrive, tout simplement, qui vous permet d'en terminer avec quelque chose qui a été compliqué. Là, effectivement, on voit qu'on récolte le fruit de ses efforts, qu'on retrouve son indépendance matérielle, financière. Pour certains d'entre vous, on peut très bien dire qu'on se met à son compte, on prend une activité en indépendant. Pour d'autres, ça va être le fait peut-être de retourner en formation ou encore de prendre vraiment une nouvelle direction, de faire une reconversion professionnelle. En tout cas, on prend un nouveau départ. Mais dans tous les cas, c'est également aussi le fait que vous allez avoir une proposition, une offre, une nouvelle qui va vous apporter l'opportunité de pouvoir vraiment vous apporter plus de confort au niveau matériel, concret, dans tout ce qui touche le quotidien. Et là, vous allez vraiment vous sentir bien, c'est serein, c'est l'accomplissement, le 9 de Pentacle. Et vous travaillez dur pour faire ce qu'il y a à faire, pour faire évoluer une situation. Qu'est-ce qu'on a derrière? On peut intégrer une nouvelle équipe de travail ou aller chercher des conseils, ou de chercher à se perfectionner par rapport à ses compétences pour faire évoluer quelque chose. On peut effectivement, pour certains d'entre vous, rentrer en formation, tout simplement. Sur ce 8 d'épée, nous avons quoi? La justice. Bon, bah, au moins, on en termine avec ces blocages du mental. Là, vous allez pouvoir peser le pour, le contre, y voir clair, prendre vos décisions de façon juste et équitable. Ça peut être bien sûr une décision de justice qui tombe, mais là, on voit plutôt que vous retrouvez vos énergies, vous allez savoir comment agir, réagir en fonction des situations qui vont se présenter devant vous. Vous allez très bien savoir s'il faut faire preuve de charisme, de prendre le taureau par les cornes, d'y aller, ou s'il faut faire preuve plus de patience, de tolérance et d'attente. En tout cas, bon, là, ça redevient stable, c'est concret, c'est posé. On y va, on fait ses choix de façon éclairée, on prend une nouvelle direction, on a trouvé sa voie, on est sur le chemin du milieu et on prend un nouveau départ. Vous avez toutes les cartes en main, vraiment, ne doutez pas de vous. Écoutez vos ressentis, vos émotions. En tout cas, il y a de la belle offre qui arrive vers vous. Voilà pour le tarot. Passons au petit Lenormand. Avec le petit Lenormand en dodec, on a l'étoile. L'étoile qui nous parle de guérison, d'apaisement, de bonne communication, des choses qui sont protégées. Vous sentez bien, serein, posé. Oui, vous atteignez vos objectifs. On retrouve de la stabilité, de l'ancrage et des émotions qui sont très agréables. On se sent bien, oui, ben en paix, quoi. C'est l'harmonie, c'est la stabilité, c'est les sentiments de bien-être. Ouais. Il y a du déplacement, du voyage, des choses qui arrivent vers vous qui vraiment vous mettent dans une situation très agréable, très confortable, apaisante, guérissante, on va dire. Vous retrouvez vos énergies. Avec cette carte de l'âme, d'ailleurs, on parle de se sentir bien, bien dans son bien-être intérieur, bien avec ses relations familiales. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive, une nouvelle proposition, un nouveau partenariat. Quelque chose qui vous met en joie, qui va vraiment vous permettre de clôturer un cycle avec ce cercueil. Là, on met un terme à quelque chose pour laisser place vraiment à un grand renouveau. On a le cercueil et la croix, donc tout ce qui a été chemin de croix, difficile à gérer, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'endurance, qui a peut-être causé des larmes. Et bien là, vous clôturez l'histoire. On a le cercueil qui est ici, mais on l'a là aussi. Et ça va vous permettre certainement d'éclaircir quelque chose d'un petit peu compliqué, confus, ou alors il y a peut-être des choses encore à éclaircir qui demandent encore un petit peu de temps avant de pouvoir vous laisser place à plus de sérénité. On va l'avoir là juste derrière. On a des rendez-vous, des entretiens, des choses qui reviennent vers vous, qui demandent peut-être un petit peu d'effort ou qui sont un petit peu répétitifs. Bon, toujours est-il que là, on voit bien qu'on peut officialiser, concrétiser, ou encore retrouver plus de sérénité, retrouver de l'apaisement. Mais là, on peut officialiser, concrétiser une situation par rapport à tout ce qui touche aux professionnels ou aux activités familiales. On se déplace, on a de la visite, on a des nouvelles qui vont permettre justement de boucler quelque chose et de laisser place à du renouveau, à de la nouveauté. On en a des nouvelles écrites ou au moins on a des échanges par écrit par rapport à tout ce qui touche à la famille, au foyer, au quotidien.
Au niveau famille, émotion, relation, eh bien des bonnes nouvelles, hein, des choses qui vous mettent en joie, des nouvelles propositions, nouvel accord, nouveaux partenariats, nouvelles relations, des choses qui permettent de clôturer et de passer à du renouveau. On a donc le cercueil qui est là, on l'a là. Par rapport à tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles, on voit qu'on retrouve de l'apaisement, de le fait de pouvoir concrétiser un souhait, un vœu. On retrouve l'étoile qui est ici, que l'on a en dos de deck. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, du mieux-être. On passe en mode guérison là, hein. On retrouve l'arbre qui est ici, que l'on a au centre du tirage. Ça peut donc être en relation avec tout ce qui touche votre bien-être, comme ça peut être en relation avec tout ce qui touche à vos liens familiaux. On part sur de la nouveauté, sur vraiment un grand renouveau, sur des nouveaux projets. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien là, on peut donc avoir de la visite, des nouvelles, se déplacer par rapport à tout ce qui touche au familial ou par rapport à tout ce qui touche à votre bien-être intérieur, le fait de retrouver de la stabilité, de l'ancrage. Là, on boucle bien une situation pour laisser place à de la nouveauté. Encore une fois, on retrouve cette étoile qui est ici, que l'on a là. Donc, on concrétise quelque chose que vous souhaitez. Ça vous permet de retrouver de l'apaisement, du mieux-être. On passe vraiment sur de la nouveauté, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui vous apporte du bien, du mieux, et qui vous permet certainement d'éclaircir quelque chose qui a été un petit peu confus, qui vous a pris un petit peu la tête. Au niveau financier matériel, eh bien par rapport à tout ce qui peut être un petit peu le brouillard, la confusion, bah, en rapport avec soit votre bien-être intérieur ou soit une activité du quotidien, le foyer, la famille, eh bien on voit bien qu'il y a des échanges de papier ou des choses qui vont être portées à votre connaissance, qui vont vous permettre de trancher, décider, d'éclaircir des choses peut-être un petit peu confuses. Ça vous permet vraiment de retrouver de la sérénité ou encore d'officialiser quelque chose. On unit, on désunit, on stabilise. Enfin là, il y a vraiment des échanges de papier, des échanges administratifs ou encore le fait d'avoir des choses qui sont portées vraiment à votre connaissance. Mais pas d'inquiétude, dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous apporte de l'abondance. De l'abondance au niveau des finances, au niveau des projets, au niveau de vos ressentis. Donc on va dans le bon sens. Donc de la joie, du bonheur, de l'harmonie, de la stabilité, enfin, on se sent bien, hein, c'est agréable, c'est lumineux, on y voit clair par rapport à soit à quelque chose qui vient vers vous, de la visite, des nouvelles, une proposition, soit le fait de vous déplacer. Dans tous les cas, c'est pour avoir de la sérénité, de l'apaisement, d'officialiser, concrétiser une situation. On en a des nouvelles par écrit. Ça peut être en relation avec tout ce qui touche la famille, vos liens familiaux, votre bien-être intérieur, votre stabilité. Au quotidien, on va vers quelque chose de très ancré, très posé, qui va vers une progression graduelle. Ça vous permet de vous sentir en sécurité et de retrouver une belle stabilité par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux activités professionnelles, pourquoi pas. En tout cas, on boucle une situation, on boucle un dossier, on boucle un cycle et on part sur du renouveau. Alors même s'il y a encore des petites choses à éclaircir, ça va être très rapidement lumineux puisque les nuages ne restent jamais en place. Voilà les poissons pour votre semaine. Je vous la souhaite agréable. À bientôt.